Coucou, coucou les queens, coucou, bienvenue dans le nouveau numéro de Élégance et Modestie. C'est le week-end, c'est la fin de la semaine et c'est la tenue de la soirée, c'est la tenue de la fête. Alors, comment vous allez? Moi, ça va, Dieu nous garde, on est en vie, on est en bonne santé, on dit gloire au Seigneur, alléluia, et alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, je t'avais dit, pas aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ça, c'est encore l'une de mes créations, Fashion by Marie. Les Américains, là, ils m'appellent pas Marie, ils m'appellent Marie. Mary, et pour Mary, comme eux ici, et Marie, pour dire Marie, ils disent Marie. Fashion by Marie, ça c'est encore Fashion by Marie. J'espère que vous allez aimer le modèle. J'ai essayé un peu de changer de coiffure. J'espère que vous allez aimer la coiffure aussi. Alors, aujourd'hui, vous allez voir sur ce modèle, j'ai laissé encore un truc expressément pour nous donner une leçon avec. Voyez le soutien. Tu peux voir mon soutien, le strap, c'est mon soutien, l'élastique de mon soutien, que ça se voit. Hein. Là, c'est pas bon. Quand on parle de l'élégance, ça sont des choses qu'on doit éviter. Tu ne peux pas porter un vêtement et les gens ne doivent pas être en mesure de voir ton soutien. Tu ne peux pas. Il y a des soutiens maintenant que tu peux mettre, des soutiens sans fil, de gorge comme on les appelle, ou carrément il y a de plastique là que tu veux juste poser ici. Si tu tires un peu, ça soulève et ça stick, ça colle sur ta peau. Personne ne voit rien devant, derrière. On ne peut pas voir. Alors, je sais pas comment vous trouvez mon modèle et ma coiffure. Je pense que c'est la meilleure coiffure pour ce modèle. Et oui, là, j'ai pas voulu doubler les manches. Je sais que ça cache pas trop. Ça, c'est un peu trop transparent, mais j'aime la dentelle. J'ai pas voulu doubler. J'ai voulu laisser ça comme ça. J'ai carrément décidé de laisser ça comme ça. C'est un vêtement que j'ai cousu il y a plusieurs, je pense, 4 ans. Ça fait longtemps. Je ne l'ai jamais porté. Aucune fois, cette robe. J'ai juste essayé. Et à chaque fois que je vais la porter, on me dit, non, 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 tu ne peux pas porter ça. Et ici, on ne porte pas le blanc à un mariage. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux faire avec ma robe là. Mais là, mais qu'est-ce que je peux faire avec ma robe hein? Je ne peux pas la porter. Ça fait longtemps. Elle est à la maison. On ne peut pas la porter. Parce qu'ils ne portent pas. Ici, on ne porte pas de blanc haut, on ne porte pas de blanc et mariage. Alors là, je ne sais pas quoi faire avec. Je la garde. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Là, j'ai décidé de faire une vidéo avec et vous allez me dire comment vous trouvez le design, comment vous trouvez la dentelle. Là, c'est le tissu, mon tissu préféré. J'aime bien, c'est stretch et ça prend le corps. C'est ça prend. Ça, tu peux garder ça pour plusieurs années. No matter what. C'est toujours joli et élégant. Je vais me tenir debout comme d'habitude. Vous allez voir, comme j'ai parlé du soutien, le soutien là, c'est pas vraiment beau qu'on puisse voir le soutien comme ça. Et vous allez voir, j'ai joué un peu avec ces fleurs là. Ici, j'ai juste ajouté des fleurs. C'est deux en un. C'est une robe, la jupe en bas et la robe, tout est connecté, attaché ici. Vous pouvez voir. Et moi, je ne suis vraiment pas confortable comme ça. Aller dehors comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, je préférais mettre ça. Et là, je suis en train de voir. Je ne sais pas comment vous trouvez. Vous allez me dire. Moi, je trouve que c'est un peu trop long. Je voulais essayer un peu de remonter ceci un peu. Je crois que ça fait plus beau comme ça. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve bien. Je trouve que je dois reprendre un peu là. Et là, vous pouvez voir. Vous voyez ce que je disais pour le soutien? Vous voyez le soutien là, ça se voit comme ça. Quand on parle d'élégance, ça sont des choses qu'on doit éviter. Et cette tenue, vous pouvez voir ma culotte. Vous pouvez voir à peine la culotte est noire avec un tissu comme ça. Le blanc, c'est le noir en dessous pour éviter de scandale. Et vous pouvez voir, je pense que je vais changer de culotte, chercher une autre culotte ou carrément ne pas porter de culotte en bas. Mais je ne sais pas si moi je saurais. Et tu vois, maintenant j'ai juste ça, c'est mieux comme ça, je ne scandalise personne, c'est simple, c'est beau, c'est élégant. Vous voyez le soutien, comme je vous disais, ça c'est vraiment pas élégant avec ce soutien-là. Vraiment, je dois chercher cette caméra. Ma chaussure, je n'ai pas cette couleur, comme je n'ai jamais,
Je ne me suis jamais fait ceci pour acheter la couleur qui va avec. Mais je pense que tu peux porter ça avec ce sandal. Cette paire de sandales, ça peut aller aussi. Je pense que ça va aller avec un sac, peut-être de mauve là. Ça va aller. Mais moi, j'ai décidé de mettre carrément le noir. Je pense qu'avec notre sac favori, ça c'est beau aussi avec le noir. Le sac est noir, la chaussure est noire, il y a des dorés. Oh, c'est un peu ça. Ou le petit sac, non, ça c'est pas vraiment. Ça ne va pas avec ce sac ici. Avec l'autre, c'est mieux. Alors, je voulais, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Je pense que vous avez aimé ma présentation, vous avez aimé le modèle, vous voyez. Là, me dire comment vous trouvez. C'est joli, hein? Le coup n'est pas trop extravagant. Ce col-là, j'aime vraiment. J'aime beaucoup. Oh. Et puis, il y avait quoi encore là? Je devais dire, je pense que j'ai tout fini. Je sais pas comment toi tu trouverais, tu vois les manches. Tu vois les manches là. C'est joli, hein? C'est joli. Bon, je pourrais peut-être un jour avoir l'occasion de porter cette tenue, je ne sais pas quand. Peut-être un mariage civil, peut-être. Ou une conférence des dames. Tu vois, quand j'ai remonté, ça fait un peu plus beau. Donc, c'est un peu ça, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, les dames, il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Quand vous buvez beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas, à chaque fois que j'ai fait de mes vidéos, il n'y a pas de maquillage sur moi. Je vais essayer peut-être avec juste la poudre. Je vais essayer. Ça fait plusieurs années, ça fait pratiquement 5 ans que je n'ai pas mis. Quand j'essaie, ça me dérange tellement. Je vois comme si je portais un masque là. Et quand j'enlève, j'aime bien voir le glow de ma peau. Hein. La peau brille. Quand je mets quelque chose, je vois comme si je portais un masque. Alors, on va essayer peut-être avec un maquillage très léger, juste pour des vidéos. Et on va voir ce que ça donne. Et vous allez me dire quoi, mais il faut boire beaucoup d'eau pour avoir une belle peau. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et bon week-end à vous. Partagez la vidéo avec d'autres queens. Et vous avez le feu vert de Maman Laure pour copier le modèle. Je vous aime et prenez soin de vous. Évitez des stress. Évitez des stress. S'il y a des gens qui vous mettent la pression, l'attention, il faut vous éloigner de ces gens-là au nom de Jésus. Alors, bisous et bon week-end chez vous.